Oh, mais notre bon cardinal et ses maudits espagnols pourront bien attendre qu'on boive une chopine. J'ai soif en guider une barrique. Moi, pareil. Et d'après ce qu'on dit, il y a par ici de bonnes tavernes avec du bon vin et de belles donzelles qui le servent. Et moi, je goûterai bien la douceur angevine. Il suffit. Je vous rappelle que nous avons une mission à remplir. Et que... Et quoi qu'il y a, sergent, j'entends un bruit. On vient. Cachons-nous un peu en arrière. Je crois que le compte n'y serait pas, sergent. Cela ferait toujours 6 contre 4. À te voilà, fidèle compagnon. Toujours à l'heure, à ce que je vois. Il me semble, en effet. En tout cas, suffisamment pour éviter à ce sergent une erreur de calcul mental. Mais d'où qui sort, celui-là? Celui-là, jeune homme. Je déconseille de le lui demander, car en général, cela ne le met pas dans les conditions idéales pour te chanter une berceuse. Non, mais... D'où qui vient, lui? Décidément, question langage, tu t'améliores pas, toi. Bon alors, d'où qui vient, lui? Non. De la maison de Bergerac. Bergerac? Il vient de la maison du grand, que dis-je, du grand? Ah ouais, de l'énorme. La quoi, Sud? On sait bien que quand on parle de lui, faut pas parler de son nez, voyons. Ah. Laisse tomber, compagnon. Ces messieurs ont l'air d'avoir un jouet à la bourbonnière. Voyons voir si ça s'en sert aussi bien, et avec autant d'ardeur que cette fête à parler de choses. Pas de problème, messire. Nous sommes à votre disposition. Mousquetaire, en place! Saluons ces quidam qui nous offrent un entrepôt au passage. Pour les mousquetaires du roi, saluez! Allons, messieurs, à l'ouvrage. Moi, je pense qu'il a...
dans cette affaire, pourquoi ne pas en profiter?